expliques à la caméra un peu là ce que tu m'as dit là, parce que bon, apparemment tout le monde a une revanche à prendre. Enfin, j'ai une revanche à prendre plutôt. Alors déjà, il faut que tu expliques ce qui s'est passé il y a un an déjà. Je veux t'entendre redire de ta propre voix ce qui s'est passé il y a un an. Et c'est moi qui vais le filmer parce que je veux qu'il assure. Alors Guillaume, j'ai entendu dire qu'il s'était passé un événement assez, assez tragique. Hein, pour... assez tragique. C'était pas facile, il s'en est remis difficilement. Maintenant, voilà, un an plus tard, il a décidé de revenir. Il a décidé de revenir et ça fait maintenant un an qu'il s'entraîne dur, dans l'ombre, sans faire de bruit, sans faire de bruit, une préparation vraiment intensive d'un an, et tu vas nous expliquer ça un petit peu mieux, alors on va te laisser la parole. C'est passé, c'est que là, ça fait un an que je m'entraîne, donc tous les matins, ce que je fais, c'est que je vais dans la forêt. Et pourquoi tu t'entraînes, c'est passé quoi? On voit qu'il a du mal à sortir. On va ensemble. En fait, sa tête, c'est la sortie de la mémoire. C'est ça. Dans le soir, on a un syndrome post-traumatique. On fait un blackout, en fait. On oublie. Mais essaie de te recentrer, c'est important. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a demandé un conseil pour comment parler de low kick. Au début, je l'ai expliqué tout. Et à la fin, on a tourné ensemble. Et il m'a mis un down. Voilà. Il m'a mis un down. Il a la tête, je suis tombé. Je me suis relevé direct. Et donc, cette année, forcément, j'ai ma revanche à prendre, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que demain, donc là, c'est une journée chill aujourd'hui, tu vas être tranquille. On se repose plus. En fait, c'est une journée que lui, il laisse à lui, parce que avant, ouais. C'est un peu comme le dernier repas du condamné, quoi, c'est ça. Ouais, pour tout savoir, en fait, il m'a envoyé un message en privé ce matin. Il m'a dit, Gabi, écoute, on va à la piscine, écoute, tranquille, laisse-moi une journée de plus. Là, voilà, c'est plus sérieusement. L'année dernière, on a tourné ensemble. Il m'a mis un down. Donc, cette année, voilà comment il se prend. Ton pronostic, c'est quoi? Pour la romance, justement. Bah, tu sais, moi je suis pas un professionnel, donc forcément, mon pronostic c'est en. Non, commence pas avec tes excuses. Ouais. Donne un pronostic. Arrête de pleurer. Gabriel, donne ton pronostic. Bah, tu sais quoi, je vais rester positif. Je vais dire que même si genre, il va gagner sûrement le round, mais il y aura 2-3 petits coups qui vont passer, tu vois. Ah, ok, bah écoute, on attend ça avec impatience, on sera tous connectés. Ah oui, parce que je le prenne après son frère. Alors moi, ma stratégie, ça va être de casser la distance, tu vois. Donc on va rentrer un double leg et on va partir au sol. Tu vas faire un double leg, toi? Un pied point, donc pour un combat de pied-point, il va faire un double leg, voilà. Il va marquer la distance, il va rentrer, et on va essayer de casser ses grandes jambes. En plus, on a vu que t'as une musculature assez impressionnante sur les jambes, justement, et on se dit que ça peut peut-être être une arme redoutable. Et Guillaume, alors justement, on a eu maintenant le pronostic de Gabriel, maintenant quel est le tien? Qu'est-ce que tu penses des propos qu'il a tenus et comment tu fais de réagir à ça? Alors, le pronostic, je dirais qu'il faut que je fasse très attention. Ouais. Que je pourrais finir demain soir en prison. Donc, j'ai demandé à tout le monde d'être témoin de ce qui va se passer. Que c'était dans le cadre sportif. Et du coup, de ne pas être inculpé pour meurtre. Bon, alors, pour finir. Bon, au pire, si tu veux déposer plainte, je connais un flic qui va peut-être prendre ta plainte, Gabriel. Attends, t'as une assurance, t'as ouais, bah écoute, j'ai pris l'assurance spéciale. Tu rentres demain, tu rentres. Regarde, attends, tu rentres. Et tu vois, mais au moins, bon, nous, on prend des risques pour faire des bonnes vidéos. Donc, lâche un like et abonne-toi. Arrêtez là où vous êtes, d'accord? On va faire un petit peu un petit repérage avec Guillaume et notez aussi dans votre tête la distance que vous aurez parcourue. Parce que la distance que vous allez pouvoir parcourir, pardon, vous allez la prendre et vous allez la diviser par 100. Et ça vous donne une valeur VMA. Par exemple, vous faites 1600 mètres, d'accord? Divisé par 100, ça vous fait 16. Et vous prenez sur la valeur VMA au-dessus.
Ok. Vas-y, la peur du monde à oh, le bonheur. En fait, tu vas juste balancer en forme de gravité. Au maximum que tu puisses faire. Et le maximum, c'est quoi? C'est l'amplitude que tu peux mettre sans que tu bouges en fait ta pose de pied. Oh, c'est vite fait, hein. Tranquille. Beau chef style. Il se fait taper dans la main, d'accord? Non, le mec il attend l'arrivée de l'autre, il se fait taper dans la main et il part. Ok, du départ, arrêté. Ok? Les premiers c'est bon, les deuxièmes se préparent. On y va dans 3. Allez les gars, tout le monde s'arrache. On lève la piste 1 et 2, les doigts 1 et 2. 3, 2, 1, go! Et du bruit. Allez, allez, arrache-toi, arrache-toi! Pas arrêté. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est cool. Samy, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. C'était comment la piste? C'était chaud, non? C'est chaud, oui. On a fait 6 minutes pour courir. Distance maximum, mais maintenant on a fait un relais et oui, ça brûle les poumons. BZ Power! Yeah! Ah, j'ai couru à 100 km/h! Pourquoi t'aurais couru plus vite? Allez, couru plus vite, peut-être, oui! Mais ça, il est pas venu vite! Laissez! Sixième jour au PTT Training Camp, nous voici encore une fois l'équivalent de l'INSEP bulgare, la National Sportna Academy. Programme aujourd'hui grappling avec petite surprise pour les amateurs. On va tourner dans la salle d'en face pour faire un petit peu de pied-point, varier les disciplines, voir s'ils ne s'y perdent pas psychologiquement, ça va être très intéressant aujourd'hui. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Lazy King de la Bulgarie. Ce soir grappling, sol, peut-être à la fin il y aura un tournoi de sumo. Donc restez connectés. Et j'aime bien tourner avec tout le monde. Lazy King est proche du peuple. Donc Lazy King tourne avec tout le monde. Même ceinture blanche, vous êtes bienvenus. Bonsoir, c'est séance de grappling encadré par les Bulgares. Et on va se donner comme d'habitude. Voilà, Bulgarian Top Team Os. Let's go!
ça accumule une grosse fatigue. Mais bon, on essaie de tenir le coup. Là, on va faire sparring grappling. Demain, il y a encore des grosses choses à venir. Il y a encore des sparring. Mais bon, on est là pour ça. Heureusement qu'on a un peu de divertissement dans Sofia pour se retrouver un peu entre les copains, se vider un peu la tête et reprendre un peu de force. Moi, je suis venu chercher du sparring parce que j'habite à un endroit où j'ai pas beaucoup de monde qui pratique. Je vais me faire cogner un peu. Mets ton dos contre la cage. Voilà. Refais face tout de suite. Relève. Non, laisse-le. Travaille. Voilà. T'as pris tes appuis, par exemple. Prends un appui au sol. Sur le cul de l'autre côté. En haut, le cul. Remets le dos contre la cage, par Tout de suite explose. Voilà. Fares, tu tournes au sol, paf, tout
suite. Sur le coup, j'explose. Excellent, Farès. Excellent. Une minute. Allez, tu tiens, Farès. Allez. Voilà, super. T'as 50 secondes pour emmener Karl. On reprend la position les gars de départ. Position de départ les gars. Allez Karl, t'as 40 secondes pour emmener. Fais-moi plaisir. Sur tes appuis, par exemple. Sur tes appuis. Attention. Sur tes appuis. Garde bien les jambes. Ça va pas partir en arrière. Tu perds ton appui sur ta jambe. Très bien. 25 secondes, ça tombe pas, hein. Ça tombe pas. Ok, on reprend position de départ, 20 secondes. Ouais, okay. 20 secondes. Allez, pas. 20 secondes pour faire une attaque. Allez, 40. Mets le coude, mets le coude. Voilà. On est ok, les gars, prenez une pause, soufflez, soufflez. Je vous parle, maître. C'est bien la défense, hein. C'est mieux, hein. Franchement, c'est bien. Tu vois, t'as eu une alerte la dernière fois que moi, tu peux paniquer une deuxième fois. C'est vachement bien. C'est comme une grosse. Ouais, tu devrais pas. Si ça doit arriver, on n'accepte pas. Toi au sol, on accepte. C'est comme quand le mec il commence à glisser sur le côté, je protège tout de suite, il commence à glisser. Je me repose ici, je fais face. C'est bon, les amis, soyez malin, c'est à élimination directe pour avoir un grand champion à la fin. Et un grand champion de sumo qui se verra remettre un string. Dire attends, c'est toi.
Coupe SAP en France. Il y a de très bons lutteurs, en plus des mecs costauds. C'est un peu ce que je manque en France. Franchement, là, il y a du très bon niveau en lutte, même en sumo, en grappling. Très bonne intensité. Franchement, c'est top, rien à dire. On est bien, franchement, on est bien. Il y a un bon niveau chez les Français comme chez les Bulgares. Et franchement, voilà, il n'y a pas d'animosité. On est là pour apprendre, pour évoluer, pour faire la guerre. Mais voilà, quoi, ça se passe bien. On voudrait savoir, toi, comment tu as senti la séance, puisque ta séance a été en deux parties. Tu as fait un peu de lutte, tu as fait un peu de cage control avec Fares. Ouais, écoute, le catch control avec Fares, c'est vachement intéressant. Enfin, là, Fares a un combat dans un mois, donc on essaie de tout se mettre notre main à la patte pour lui filer un coup de main. Et il défend très bien. Puis il n'y a pas que la défense, il y a même au niveau de l'offensive, il est bien. Il y a des attaques qui sont très bonnes de sa part et il comprend très vite les choses en fait. Fares, j'ai rapidement compris qu'il a cette capacité à très vite intégrer les choses en fait, à très vite intégrer les choses et c'est de très bon augure vu son jeune âge. Je pense qu'il nous réserve de très très belles choses. S'il continue son apprentissage et qu'il reste ouvert de la façon dont il est et qu'il reste aussi humble qu'il est, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va le rester, il va faire très mal Fares. Puis c'est assez drôle parce qu'avec Fares on a une grande différence d'âge. Il a je crois 23 ans, 24 ans, j'en ai 34, on a 10-11 ans d'écart. Donc il m'a dit ouais. Moi, je me souviens t'avoir regardé, j'étais gamin, je t'ai regardé contre Baben. Baben, c'était en 2009. Ça fait 11 ans. Donc, je pense qu'il me voit forcément comme un ancien. Et puis, il est très respectueux. Et justement, très à l'écoute des conseils que je peux lui donner. Et comme je disais, il y a ce côté qui m'a beaucoup frappé chez lui, c'est son humilité malgré sa grande technique, sa grande force. Il est très à l'écoute, il est très disponible. Et justement, moi, ça me donne envie de l'aider. Je pense que j'ai certainement des choses à lui apporter. Lui, il a une expérience incroyable en boxe pied-point. Il est super fort, c'est une machine. Il m'a fait mal. Moi, j'ai à apprendre de lui aussi. De toute façon, c'est un échange à bénéfice réciproque, j'ai envie de dire. Moi, j'apprends de son pied-point. Lui, il apprend de mon sol, de ma lutte et certainement de mon expérience. Et puis on échange et puis on met en commun et pour devenir chacun une meilleure version de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, c'était le cours de grappling. Donc on a vu la technique avec le prof de grappling ici, donc merci à lui déjà. Juste après, Guillaume il m'a pris en cage control avec Issa Isakov, un très bon partenaire et un très très bon lutteur, un très bon combattant aussi. Et Karl Amoussou, la légende française. Donc j'ai tourné avec les deux en cage control, le but c'était la défense. Après je suis revenu ici, j'ai tourné en grappe avec Yann et Benoît Saint-Denis. Très très fort les deux, et à la fin on finit avec le coach à la patte d'ours, 3 fois 5 minutes. Il m'a relâché un peu parce qu'il avait besoin de relâcher un peu au niveau des bras. Donc on a travaillé tout le souple et on a retravaillé aussi quelques petites stratégies. Et comment ça se passe tous les deux ensemble au jour le jour? Alors, avec Smail, c'était on va dire, il m'a coaché dans ma jeunesse. Quand j'avais 17 ans, jusqu'à mes 19-20 ans à peu près. Et aujourd'hui, on est toujours resté en contact puisqu'on est des amis. Et aujourd'hui, voilà, ils m'aident dans ma préparation de combat. Aujourd'hui, ça a été un jour incroyable pour toi puisque tu as signé ton contrat pour ton deuxième combat à l'UFC. Ouais. Donc c'est quoi un peu la sensation là? Bah écoute, là on est chaud, on est au taquet. J'ai jamais été préparé comme je suis préparé. Et en plus, c'est le début de la prépa. Donc il reste du chemin encore. Bah écoute, comme tu disais, aujourd'hui c'était le cours spécialement au sol, donc voilà, ça a commencé par une petite demi-heure de technique environ, puis ensuite on a fait du free world, ça veut dire voilà, on tourne avec n'importe qui, enfin des partenaires qui sont à peu près dans nos niveaux, dans nos poids. Donc j'ai essayé de me focaliser sur des adversaires, enfin sur des partenaires plutôt, qui sont uniquement du gabarit de mon prochain adversaire, Clayton Silva. Donc voilà, ça l'a fait, j'ai pris des gens de l'AKT, un peu plus grand que moi. Et donc voilà, on a roulé tranquillement, on est parti sur du 5 ou 6 rounds il me semble. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop me préserver ou quoi, j'ai tout donné. Et voilà, on attend la suite, le sparring de demain soir. Ok, super. Physiquement ça va, ça se passe bien? Physiquement ça va, on a entamé la semaine assez dans les tours quand même. Donc il y a une petite répercussion sur le physique, donc on est un peu fatigué. Mais ça va, dans l'ensemble ça le fait. Toujours prêt,
toujours prêt à sneaker. Hein. Soit on va pas changer, on sort les phrases classiques, toujours prêt à sneaker. Et demain, c'est sparring. Et pour finir, un petit mot sur les amateurs, parce que toi, t'es quand même un grand frère maintenant, t'as beaucoup d'expérience. Tu les observes un petit peu, les amateurs? Ouais, je les observe grave, je les observe grave. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime bien les gens motivés qui s'investissent sur, eux-mêmes pour promouvoir leur carrière. Honnêtement, j'aime beaucoup. Essayer de voir la suite et ce que ça donne, et surtout le résultat du recrutement. Aujourd'hui, c'est une Lazy Lesson by Lazy King. Vous contrôlez votre respiration. Le premier truc, c'est ça. Vous respirez, vous remplissez les poumons. Après, vous... Après, vous faites la danse du ventre. Et après, vous posez, vous vous levez. Comme ça, vous regardez, vous allez en arrière, Matrix. Et après, vous pouvez aller en Matrix. Il y a une balle qui vient, vous dites. Reste pour les gens, je te ramène à la porte. Non, je ne veux pas le faire. Voilà la Matrix. Lazy Matrix, baby. Today. C'était la leçon Lazy aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. Lazy Shadow. Avec Lazy King. Donc Lazy Shadow. Regardez bien. Relâchez vos épaules. Vous relâchez bien. Après, vous levez, toujours en garde relâché. Vous lancez. Quand vous lancez, en même temps, vous protégez avec votre épaule, votre menton. Comme ça, même s'il frappe, vous protégez au moins le menton. Voilà. Toujours relâcher. Bouger avec les pieds. Ouais, je frappe, j'avance. Il est là, il est là. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ouais. Après, même quand vous faites ça, relâchez. Maintenant, les scorpions kick. Déstabilisez l'adversaire. Déstabilisez. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez vu ça? Oh, après. On est là. Ça, ça. Bon, Lazy King. Lazy. C'était Lazy Shadow. Goodbye.